Voilà déjà un bon moment que je crache mes textes. Un pauvre gamin pas 20 ans qui vous cause manière suspecte. Tiens, il utilise même des rimes pauvres. Je suis juste un amateur qui a bien besoin d'une pause. Je peux pas continuer sans pouvoir me présenter. Un faux pas de partir avant de se lancer. 2 minutes, un peu d'encre, 2 pages de cahier. Installez-vous où vous voulez, mais j'aimerais que vous m'accompagniez. Quand j'étais petit, il y avait du sens à ma vie. Donnez-moi un vieux bâton et bienvenue dans le monde d'Harry. Beauté, c'est ce que j'étais, pas donné mais pas volé. J'aurais bien voulu rester, mais j'ai vite pris des années. Le craquement s'étend, la carapace éclate. Des coups bas qui claquent, emballés loin des Carpates. Comme un con, je pensais comme un adulte. J'essayais juste de me convaincre que la vie c'était pas nul. Normal pour un gamin qui s'est trompé de chemin. J'étais trop loin dans cette forêt et j'avais bouffé tout mon pain. Plus moyen de retrouver le doyen de mon passé. Heureusement, j'ai compris que je devais improviser. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais j'étais coincé dans le sol. Je voulais partir à l'aventure, j'avais pas de boussole. Par chance, petit Hansel est accompagné. Et j'ai pas peur de dire que c'est Gretel qui m'a sauvé. Restez donc dans vos histoires de drames et d'idées noires. C'était elle la sœur avec qui je jouais jusqu'au soir. L'histoire, elle aurait dû se finir chez la sorcière. Mais elle n'existe pas, donc on est resté prendre l'air. C'était ça l'adolescence. Une renaissance, enterrer les emmerdeurs, remonter les contresens. Ça faisait un bon moment qu'on se marrait en s'amusant. C'est à cet instant que Gretel a trouvé un chemin verdoyant. Elle aurait pu le cacher, le garder comme un secret ou partir comme ça, sans rien dire et tout gâcher. Mais non, c'est pas n'importe qui. Elle est venue me chercher et à deux on est parti. Je savais bien que ce chemin, il était pour elle. Elle le savait aussi, mais y avait rien concurrentiel. C'était plus un échange de conseils et d'expériences. Elle m'a tout appris, maintenant ça fait du sens. Plus on avançait et plus on s'éloignait. Mais de nouveau, sans rage, sans tristesse, sans regret, je prenais des notes de loin, mais toujours prêt. Et après ça, j'attendais de trouver mon chemin vert. Un jour, c'était hier, ou peut-être demain, j'ai vu la sortie de la forêt, mon propre chemin. Gros sourire, je repense à ses nombreux conseils. Je pense à elle, Gretel, je devrais lui rendre la pareille.